Allez, c'est parti, la suite. Toujours les chargements longs. Donc je m'étais arrêté. Ok, la manette elle marche pas encore. C'est bon. Lancement du scan. Je m'étais arrêté. Vérification de l'identité. Accès autorisé. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Bienvenue dans la capitale relais. Continuez jusqu'au centre de distribution. Je suis tout sale. Sam, revenez au centre de distribution. Vous le trouverez grâce à votre boussole. Bah, c'est là de toute façon. Coucou Manon. Comment tu vas? Ça va mieux? T'es toujours malade? Toujours fiévreuse? Non, je te dis même pas que je stream, il était là direct. Alors, c'est là que je dois venir. Ah, j'ai plus les contrôles. C'est une petite cinématique. Ça, ça va. Bah oui, j'ai eu la petite notif. Et quelle? Que vous ayez survécu tous les deux. Quand une personne atteinte du Doom se branche à un bébé, ses émotions et ses souvenirs créent un retour, comme une enceinte en fait. Il amplifie vos peurs et vos angoisses, et risque de vous plonger dans un état dont vous ne pourrez jamais vous sortir. Je suis désolé, Sam, mais ce bébé a atteint ses limites. Il n'y a plus qu'une seule option pour lui, l'incinération. Bah, il m'a permis de rentrer quand même. Sam, allez faire un brin de toilette, et rejoignez-moi dans le bureau de la présidente. Il faut qu'on parle. Je joue pour la cinématique, je suis moins sale que tout à l'heure. Allez, balancez le bébé. Vu qu'il y a eu la synchro avec, ça passe. Je peux le mettre. Je peux le garder. Toi, même quand elle est pas branchée, réagis. Le Quentin. Ouais, voilà, tu vois, il arrête jamais d'être rebranché. Bébé. Bébé. Ne t'en fais pas. Ça va aller. Toi et moi, on ne se quittera jamais. Je pense qu'il est mort, lui. Ah, c'est peut-être devenu le méchant. Le soleil se couche. Ouais, j'ai fait exprès. Je dis Quentin, il va venir, du coup, j'ai remis ça en titre. Tu baillons comme c'est une petite rêve pour toi. Bon. Là, juste avec cette cinématique, t'as vu que c'était chelou, quoi. Bon allez, un S encore, ce serait bien. Pour l'instant, toutes les missions de livraison, j'ai eu S. Et là, ma livraison, elle était un peu spéciale. C'est le corps de ma défunte... Oh putain, j'ai A. Le corps de ma défunte mère que j'ai dû aller brûler dans l'incinérateur et revenir. Bon, tant pis. Genre pas une run parfaite, j'ai pas que des S. Parce que les gens qui meurent, ça fait comme une explosion. Genre ils se dégradent, ils deviennent tout noirs, et ça crée un cratère autour d'eux. Et eux ils deviennent... Sam, je croyais pourtant vous avoir dit qu'associer le Dooms et les bébés était dangereux. Une douche vous ferait sûrement du bien. Vous êtes encore couvert de kéralium. Ouais, c'est ça. Pas que la présidente vous voit tu te suicides, ça défonce tout autour de toi. Elle est morte.
Vous êtes contrarié, c'est à propos du bébé 28. Trouvez-vous un autre larbin, parce que moi, je vous emmerde. En tout cas, quoi que vous décidiez, sachez que vous lui avez sauvé la vie. N'importe quoi, c'est lui qui nous a sauvés, y compris vous. Comment il parle à Guillermo del Toro ? Restons-en là. Je vais m'occuper de lui maintenant. Vous saluerez la présidente pour moi. Ouais, que ça soit sa VS, c'était trop cool. Bah, tu vois, il y a beaucoup de cinématiques. Hein. Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Bah, du coup, ça, c'est ma mère. Le petit, c'est moi. Tiens, c'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je pense pas que ce soit ma vraie mère. Je resterai toujours avec toi. Je pense qu'elle m'a adopté. De Amélie, ok. Bonjour, Sam. Sam, ici Dyerman. Une chambre privée a été mise à votre disposition. Cadeau de Bridges. Ah bah j'ai peut-être débloqué les add-ons ici. Ensuite, vous me rejoindrez dans il y a une tenue rouge comme Deadpool. Je vais mettre des lunettes. Ah ouais. Il avait juste à tendre le bras. Hein. Ok. Moi, je peux à peine zoomer. Ah, ces phases de gameplay comme ça, c'est un peu chelou, voilà. En gros, quand tu meurs, ça te fait des trucs comme ça. Après, t'as aspiré et tout. Et il y en a un énorme qui te mange. Ok. Oh, il a cul sec, comme un beau gosse. Augmenté de 10%, lui. Bah, mais j'ai pas. J'ai peut-être pas tout usé. Ah, je peux me déplacer. Ah non, je peux me déplacer. C'est que sur la table. Et là, je peux plus y aller. En construction, c'est là que je peux pas y aller. Utiliser les toilettes. Même les toilettes, je peux pas y aller. Ah, lavabo. Les toilettes, tu m'étonnes, c'est. Bon. Par contre, le miroir, c'est même que dans Cyberpunk. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, va savoir c'est quoi ce gameplay dans la chambre, je sais pas non plus. Je comprends pas tout, hein. Tout ça, il le fait tout seul, là. Genre, moi, je joue pas. Hein. Ouais, Kojima, ouais. Ça sert à rien. Il va retourner s'asseoir. Ouais. Moi, j'aimerais bien progresser. Ah, je peux prendre une douche, maintenant. Je peux faire les choses dans l'ordre.
pas s'exagérer. Faut croire que j'ai plus droit à mon intimité. Non. Sauf quand vous prenez une douche ou vous allez aux toilettes. Mmh. Ah bah voilà. Les questions de toilettes, ils apparaissent pendant la douche. J'en déduis donc que vous étiez sous la douche. Bien. Venez dans le bureau de la présidente dès que vous aurez fini. Elle vous y attend. Ouais, il finit même pas sa douche. Il y avait plein de sang, c'est pas... pas ouf ça. Donc la présidente. Vous avez assuré ça. Celle qui est morte la veille. Bridget n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais son héritage a une chance de lui survivre. Écoutez-moi, Sam. L'Amérique, la reconstruction, son rêve n'est pas mort. J'en ai rien à battre. Voici l'incarnation de notre espoir, de notre nouvelle Amérique. Oh non, oh, c'est affreux. Amélie ? Ma mère n'est peut-être plus là, mais je la représente. Quant à toi, Sam, tu es venu jusqu'à nous. Vous ne vous étiez pas revus depuis 10 ans, c'est ça ? Et malgré le temps qui a passé, elle n'a pas pris une ride. Il sait pourquoi. Mon corps est toujours sur la grève. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Ouais, grève et tout, on n'a pas encore vraiment compris ce que c'était, hein. Toi aussi, en revanche, Sam. Tu as belle allure. Genre, moi, je suis un truc de niveau 2, je sais pas quoi. Ça fait que je peux sortir dehors. Alors que les autres, ils peuvent pas trop. Il faut bien que quelqu'un succède à Bridget, Sam. Et plus important, il faut que quelqu'un perpétue l'héritage qu'elle nous a laissé et rebâtisse notre pays. Samantha America Strand, la nouvelle présidente. Un tout nouveau départ pour notre peuple. Pour notre nation. Grâce à l'impulsion d'Amélie, nous allons donner naissance aux UCA, c'est-à-dire aux villes unies d'Amérique. Voilà comment nous ferons pour rebâtir notre pays. Mais nous ne pourrons pas y arriver sans votre aide, Sam. C'est non, ça m'intéresse pas. Je vous ai fait mes adieux à tous quand je les ai fait à Bridget. Tu sais bien qu'on ne t'a jamais oublié, Sam. C'est toi qui as fui et qui nous a laissés sans nouvelles. Amélie a mis sur pied une expédition, l'élite de Bridges 1, pour partir vers l'ouest. Je leur ai fait éviter les cratères et le territoire des échoués. J'ai protégé leurs arrières pendant qu'ils cherchaient des survivants. Pas un seul échoué ne lui a échappé. Elle les voyait venir à des kilomètres. C'est quelqu'un de tout à l'heure, ça. On a persuadé les gens de rejoindre les UCA, les uns après les autres. Et certains d'entre nous sont restés sur place pour les aider. Ça nous a pris 3 longues années. Mais on a finalement réussi à atteindre la ville relais frontière. Vous êtes arrivés au Pacifique. Incroyable. Oui. Mais là-bas, tout a dégénéré. L'équipe a été décimée. Et Amélie, capturée. Ouais, donc il y a des humains méchants, quand même. Capturée. Je ne suis pas retenue dans une cellule ni ligotée, rien de ce genre. Je peux utiliser leurs installations et communiquer avec vous autant que je le souhaite. Mais je ne peux pas quitter la ville. Tout ça parce que ces types veulent que la ville relais frontières reste indépendante. C'est ce que disent ces ravisseurs, en tout cas. Ils exigent que les UCA les laissent tranquilles. Amélie est leur filet de sécurité au cas où on ne serait pas d'accord. C'est qui déjà, ces connards ? Homo Demens. Des militants séparatistes. À la tête du relais frontières. Je vois bien qui c'est.
Une bande de terroristes qui tue des gens dans les villes pour créer des cratères. Ouais, bah le papa de Dexé, du coup, c'est un comme ça. Ces types bravent tous les interdits, et les néantisations, ça les amuse. Vous croyez que c'était eux derrière l'attentat suicide de la ville Relais Central? Ça se pourrait. On trouve des extrémistes de ce style un peu partout, en train de comploter dans l'ombre. Ils ne peuvent pas être centralisés. Il n'y a pas une organisation qui les dirige tous. Seulement une idéologie commune. Je sais pas si il est assez doux, comme ça. Pas la vision que nous avons de la... Parce qu'elle avait une tenue quand même chelou. Si nous, les Américains, n'arrivons pas à tous nous unir, l'humanité ne survivra pas. J'ai véhiculé le message de ma mère auprès des habitants du pays tout entier. Tout le monde n'était malheureusement pas prêt à l'accepter. Ils ont été nombreux à choisir de rester déconnectés, isolés du monde, indépendants. Comme vous, Sam. Ils sont convaincus que l'Amérique ne peut être rebâtie que par la force, par des hommes qui leur diront quoi faire, qui les priveront de leur liberté, et qui leur mettront des chaînes. Et vous m'avez mis quoi, là, hein? Vous valez pas mieux que les démons, une secte parmi tant d'autres. Sauf que ce ne sont pas des chaînes, Sam. C'est un symbole de nos liens. C'est ce qu'il nous faut dans l'immédiat. Non pas rester isolés, mais tous nous rassembler. Former des réseaux qui rompent. Du travail menotté, comme bizarre. Nous voudrions que vous partiez pour l'Ouest, pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Les personnes qu'elle a laissées en cours de route font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en place des terminaux pour le réseau. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Pour y arriver, vous aurez un Cupidon. Cet objet contient tous les protocoles de sécurité et de fonctionnement nécessaires pour intégrer un terminal au réseau Kiral. Emportez-le vers l'Ouest, Sam. Et reconnaissez les habitants de notre nation. Et quand vous atteindrez... Ça se voit, elle est sur le stream en plus. Trouvez Amélie et ramenez-la chez nous. Quand je reviendrai, j'assurerai la présidence et je poursuivrai le travail de ma mère pour réhabiliter le pays. C'était la dernière volonté de Bridget. C'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Je t'en prie, Sam. On a besoin de toi. Je m'appelle Sam Porter Bridges. Je suis pas un Strand. Je fais même pas partie de cette équipe. Vous en êtes assuré. Je m'engagerai pas envers vous. Ni personne d'autre. Ça n'arrivera plus. Non, attends. Ah, c'est long et cinématique de ouf. Tu vois, c'est comme si j'étais pas là. Ça a toujours été comme ça. Sam! Sam! Il y a trop de cinématiques. En vrai, c'est cool et tout, mais... C'est un peu beaucoup là, quand même. Attendez! Écoutez-moi, l'Amérique dépend de vous. De vous. Parce que c'est mou. C'est pas en recouvrant le monde de câbles qu'on met fin à la guerre. Genre, c'est intéressant, mais c'est mou. Soyez pas trop surpris quand ça va foirer. Ça reste un jeu vidéo, ouais. Fois. Tu dis que c'est un film, mais on est censé quand même jouer. Connecté, reconnecté, genre, c'est pas aussi The Last of Us. Ça va, ça. Il y avait des cinématiques, mais le jeu, il faisait très film. Et c'était du gameplay qui faisait film, tu vois. Ça allait. Vous avez besoin de repos. Là, la manette, elle sert à rien, quoi. Ça ne fait aucun doute. Le sommeil, c'est vital. Si vous ne vous reposez pas, vous risquez surtout de vous reconnecter à l'autre côté. Tout l'entretien nécessaire a été effectué. Et on a fait quelques ajustements et réglages, rien que pour vous. Le revoilà comme neuf. On peut dire que c'est rare de voir le Homme et les bébés faire bon ménage comme ça. Genre, il a réglé le bébé. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine affinité entre vous deux. Je me trompe? Et bébé, il s'appelle bébé. C'est facile. Breaking Bad. Oui. Pourquoi il y a une souris en plein milieu? Ah, vous la voyez pas? Moi, je vois une souris en plein milieu de mon écran. Elle a bougé un tapis.
Non, je pense pas. Sam. Écoute, ton nom est Sam Strand. Non, c'est faux. Plus maintenant. Je m'appelle Sam Porter Bridges. C'est un drôle de mot, Strand. En anglais, c'est un lien ou le brin d'une corde. Pourquoi ça lag ? Ça signifie s'échouer sur le rivage. Et lorsqu'on est échoué... Ouais, j'ai... Je sais pas pourquoi, d'un coup, il y a une grosse chute. Je me trouve dans cette situation. Échoué sur le rivage du Pacifique. J'espère que ça va pas me... bugger comme... Non, je sais plus quand c'était, c'est pas hier, à des milliers dernière fois. De kilomètres de je me tape toutes les cinématiques, mais et au moment où il y a du gameplay, le jeu il crash. J'ai dû relancer le jeu, et refaire ce que j'ai déjà fait et tout. Genre les sauvegardes de toi, elles sont pas au bon moment. Tu es libre, mais nous sommes liés l'un à l'autre. Ah ouais, pendant les cinématiques comme ça, il y a la manette qui vibre. Genre là, elle a donné un truc dans la main, du coup ça fait ktch, ktch. Il y a plein de petits trucs qu'ils ont ajoutés. Hein. Attends! Bonjour, Sam. La menotte, elle s'est défait toute seule du lit. Oh non, on recommence pas avec les lunettes, les boissons et tout. Sam, ici derrière Herdman. Vous avez dormi comme une souche. Vous deviez être épuisé. Les chambres privées sont dotées des commodités de base. Douche, toilette, etc. Utilisez-les pour vous reposer, inspecter votre matériel, consulter des informations ou ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au personnel. Mais avant, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil par vous-même? Allez donc voir comment Bridges fonctionne. Moi, je vais voir le bébé. Sam, ici Deadman. J'ai calibré votre bébé en fonction des données physiologiques qu'on a collectées sur vous un peu plus tôt. Ça reste quand même approximatif. Quand vous aurez fait un tour avec, on vérifiera si vous êtes bien synchronisé et on ajustera la sensibilité du bébé en fonction. À droite. Ce réceptacle éliminera toute trace de matière chirale sur votre combinaison. En parlant de combinaison, la bleue est réservée au livreur, la rouge aux services médicaux, l'orange au chargé de l'incinérateur mortuaire et la noire à la sécurité. Ok. J'ai la palette des couleurs ? C'est quoi ça ? Ouais, je peux changer que ça. Oh, c'est... C'est vraiment comme dans Cyberpunk là. Je galère. Moi je veux du gris. Et...
comme ça. Non, je veux confirmer. Bébé, j'ai déjà vu. Salut. On s'est déjà vu, non? C'est moi qui dirige les opérations de livraison, la maintenance et les réparations. Contente de vous avoir parmi nous. Je suis Mama, au cas où je ne l'aurais pas déjà précisé. Ce que vous voyez là, ce sont des liens. Ils ne servent pas uniquement à l'emballage, mais aussi à l'identification. Regardez de plus près, vous verrez. Vous voyez le rouge là? Eh ben, c'est votre sang. Hein? Il y a mon sang dans la corne. Donc rouge c'était les soins, noir les livraisons, et orange pour aller à l'incinérateur. La table je m'en fous. Allez, on va aller là-bas. Grâce à ce terminal, là, vous pouvez consulter la base de données de Bridges, qui est une mine d'infos sur tout un tas de sujets. Vous n'avez pas accès à tout, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient vous servir dans vos pérégrinations. Bon, ça c'est cool, mais je suis en stream quoi. J'ai pas de commande en cours de toute façon. Ça, rien. Oh, c'est chiant qu'il se rassoit à chaque fois. Ça, j'ai déjà fait. Là, va bouger. Ah, on peut aller aux toilettes. Moi, j'ai cliqué au cliff. Sam, ici Hartman. Je suis chercheur. Je tente de percer les mystères des grèves, du Death Stranding, ainsi que ceux du Dooms. Norman Reedus, ils mettent des pubs comme ça, c'est excellent. Une petite quantité de matière chirale est évacuée de votre système. La matière chirale peut perturber la sécrétion d'hormones et endommager le système nerveux. Putain, il y a un lien, tu vois, toilette, comment ça doit être chiant que quelqu'un te parle. Et l'apparition de phobies, voire dans certains cas extrêmes, de pulsions violentes et suicidaires. On pense même que la contamination chirale serait à l'origine de l'apparition du Dooms. Permettez-moi de récupérer un échantillon de vos excrétions pour mes recherches. Elles constituent un moyen non intrusif de surveiller votre exposition au chiralium et votre état de santé général. Ok, ok. Et sinon... Ah, quittez. Bah, en fait, c'est quelqu'un qui rentre. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir? Il est bourré de chiralium, mais c'est sans danger pour ceux qui ont le Dooms. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour reconnecter le monde. Pour tous nous unir à nouveau. Reconnecter, créer des relais, je m'en fous. Je suis un porteur. C'est un bon jeu de mots. Je ferai tout ce que je pourrais pour sortir Amélie là. Écoutez, Sam. Les terminaux que l'équipe d'Amélie a construits dans les villages et les villes qu'elle a traversées en allant vers l'ouest sont ce qu'on appelle des relais. L'infrastructure est là, mais le réseau chiral n'est pas activé. Pour le moment, elle n'a la possibilité de transmettre que des communications vocales, avec ou sans fil, ainsi qu'une petite quantité de données. Alors à moins que les données nécessaires ne soient stockées sur place, nos chiralgrammes ne s'affichent pas. À
Amélie et les autres membres de Bridges que vous avez pu voir un peu partout sont des grammes, générés à partir de données locales, au cas où vous ne seriez pas au courant. Enfin bref, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver le relais, connecter votre Cupidon et activer les communications chirales. Une fois que vous l'aurez connecté au terminal, vous pourrez initialiser la transmission instantanée de données massives avec le réseau des UCA. Et en une fraction de seconde, vous nous relierez non seulement les uns aux autres, mais aussi à notre passé. Toutes les données perdues et fragmentées seront compilées et restaurées. C'est un peu comme ramener un dinosaure à la vie à partir d'un fossile. En vrai, la tenue, elle a un petit style. Nous allons retrouver les 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre et tout le savoir et les connaissances que nous avons perdus lors du Death Stranding. Voilà comment nous allons procéder pour venir à bout de ce phénomène, Sam. Une fois que vous aurez établi les communications chirales, générer des grammes ne sera plus un problème. Et vous pourrez aussi utiliser les imprimantes chirales. À partir de là, nous serons très vite en mesure d'envoyer toutes sortes de choses sur le réseau. Enfin, rien d'original. En gros, je vais ouvrir les centres de poste, puis après je ferai des livraisons entre les centres de poste. Rien de vrai. Uniquement des copies. C'est vrai. C'est exactement pour cette raison que nous avons besoin de porteurs comme vous. Il nous faudra toujours des intermédiaires, jusqu'à l'unification, mais aussi une fois qu'elle aura eu lieu. Pas de repos pour les pêcheurs, hein ? Ouais, c'est ça. Et l'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous aurez les détails sur le terminal de livraison. Sans moto. En haut, n'oubliez pas d'aller voir. La marche. Le pire, c'est que quand on se déplace, on voit des gens en voiture et tout. Vous pensez pas qu'elles ont fait leur temps ? Ça vous embêterait si je les jetais ? Attendez, justement, je voudrais que vous regardiez quelque chose. On dirait que mon sang a provoqué une réaction, et c'est arrivé plusieurs fois. Vous pouvez préciser ? Quel genre de réaction ? Aucune idée. Vous m'avez prélevé du sang, non ? À vous de me le dire. Très bien. Je vais examiner ça de près. Je kiffe trop voir Guillermo del Toro dans le jeu. Ils ont pris un bon casque. Bah, le bon, je dirais. Même lui, là. Je suis désolé, Lisa. Moi, ça va faire 34 minutes que je joue. Et j'ai dû faire 2 minutes de gameplay. Oh, moi j'étais prêt à partir, mais non, il faut prendre la mission. Sam, ici Daniel Pan. Je sais. Notre objectif actuel est de parvenir à étendre le réseau chiral d'ici à la ville relais portuaire. Mais vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'avancer en ligne droite. Le signal ne porte pas aussi loin. Pour couvrir cette distance, il faut utiliser des relais. Voyez ça comme des nœuds reliant des cordes ensemble pour former une corde plus longue. Le premier de ces relais est une station de Bridges. Jetez donc un œil à la commande. Livrez-leur ce dont ils ont besoin et connectez le Cupidon. Thank you.
Oh, ok, ça va, c'est pas trop trop loin. C'est pas trop lourd. Sam, les résumés des commandes peuvent contenir des informations essentielles à votre réussite. Ah bon ? N'oubliez pas de les consulter avant de vous mettre en route. Il y a des fantômes, c'est ça ? Ouais, je la mets sur le dos. À la combinaison. C'est où? Bah, je la vois pas. Je fais ça. Non, de toute façon, je mets sur le dos. Sam, pour cette course, on vous a fourni une corde et une échelle comme équipement. Oh, c'est gentil. Celles-ci vous seront d'une grande aide pour franchir les pentes raides et les... Vous vous demandez sur... Je l'ai sur le dos aussi. Oh, j'en ai 10 000. C'est bon. On est le con. Mais non. Juste partir en mission. Oh purée. C'est quoi ces menus là? Sam. Pour cette course, on vous a fourni une corde et une échelle comme équipe. Celles-ci vous seront... Vous vous demandez sûrement comment vous y prendre pour... J'ai lu ça. Hop. Ah ouais, il fallait juste tout bien placer sur son corps, ok. Commande attribuée. Voilà. Je la prépare mon itinéraire maintenant. Alors il faut aller là. Partant de là. Il était censé me dire où il était le réseau. Bon, déjà je vais sortir. Faites bon voyage. Moi, tu vas avoir du gameplay de quelqu'un qui marche. Sam, vous avez bien vérifié votre équipement ? Se préparer, il fait pipi. Alors ça, il écarte des autres. Alors ça. Tu vois, ils ont des voitures. Et moi, je dois tout faire à pied. Ah, je vais monter dedans, là. C'est ça le truc de multijoueur. C'est comme dans Dark Souls. On peut laisser les traces de sang. Ah bah voilà. On a la même ref. Des trucs à manger là. Bon. Je ressors ma petite carte.
chercher les repères là et... C'est pas bon, c'était ma quête d'avant. Là ça va être chaud de traverser à mon avis. Je vais aller... Là. Là. Il y a beaucoup d'eau, hein. Bon, on verra. Sam, vous savez, même les meilleurs porteurs perdent leurs marchandises parfois. Mais vous, vous êtes le meilleur des meilleurs. Vous êtes capable de mener à bien ce qu'ils ont commencé. Eh oui, je suis le meilleur. Si jamais vous tombez sur des cargaisons abandonnées, surtout n'hésitez pas à les amener à destination. C'est plus facile que ce que vous croyez. En fait, tous nos paquets sont munis d'identifiants Bridges pour en faciliter le suivi. Et votre Dradek est équipé d'un scanner capable de détecter ces identifiants. En d'autres termes, cet appareil que vous avez sur l'épaule peut vous aider à localiser des cargaisons perdues dans la nature. Ah ouais, mais je sais plus la touche. Ah bah voilà. N'oubliez pas, Sam. Chaque paquet représente une promesse faite à une personne dans le besoin. De toute façon, je suis déjà assez chargé là. Hein. Là, traverser l'eau. C'est là. Ça, j'ai l'équilibre là, quand même. Je pense que j'ai bien mis mes affaires. Je sais pas ce que c'est le truc là. D'aller voir. J'ai le sac éparpillé un peu partout pour livrer des marchandises perdues. Ah, il faut juste y mettre dedans. J'ai raté une marchandise perdue déjà. Dis. De toi, c'était pas les petites bêtes. Parce que des fois il y a des symboles et c'est pas des marchandises. Oh, tant pis. Déjà prendre ça là. Ah ouais. Non, je peux pas passer là-haut comme prévu. Ah, parce que là, c'est le seul que j'ai vu, celui-là. Donc tant pis. Ramasser des marchandises abandonnées de Nick Eston. Peut-être que je peux le mettre là, du coup. Des marchandises perdues. N'hésitez pas à les déposer ici pour qu'elles soient traitées. Si vous en trouvez d'autres pendant une course, elles resteront à l'abri jusqu'à ce qu'un autre porteur vienne terminer le travail. Et même si elles doivent passer par une dizaine d'autres personnes avant d'arriver à... Vous pourrez dormir sur vos deux. Ah, c'est juste pour sécuriser, ok. Ça se trouve, je pouvais peut-être l'amener directement, moi... Bon. Vu que je peux pas passer là-haut, je vais essayer de passer par là.
Ah, il pleut. Sam, n'oubliez pas que l'exposition prolongée aux précipitations endommage les caisses de marchandises. Ne restez jamais sous la pluie plus longtemps que vous n'en avez besoin. Ah, sérieux? Prends une contrainte en plus dans le jeu? Foutre une grotte? Ah, il y a une caisse en plus là-haut. Ouais, la pluie elle est un peu toxique. Genre, mais toxique chelou. Si ça touche un humain, ça le fait vieillir. Sam, si vous rencontrez en chemin une paroi escarpée ou une ventraide, pensez à l'échelle qu'on a ajoutée à votre équipement. Tu crois que j'ai besoin d'une échelle, moi? J'ai hâte de voir ce qu'un porteur aguerri tel que vous va pouvoir lui trouver comme utilité. Oui, mais te faire couche. Pas mal, hein. Peut-être la récupérer mon échelle. Hein? Ah oui, c'est bon. Pluie. Là. Nouvelle zone? Ah, c'est pas une porte. Oh là là. C'est quoi, c'est compliqué pour le dos là. Ah si, c'est pour mettre la corde, pour descendre. Voilà. Ah, c'est long. Ouais, c'est long. Je la traîne au plus bas possible. Voilà. Ça, je pourrais remonter. D'où j'en suis? J'ai pas du tout fait le chemin que j'avais prévu, mais... ça marche quand même. Bah ça doit être le bâtiment là où je dois aller en plus. Tombe pas. Mais moi je voulais manger, pas juste les prendre les petites bêtes. Oh, quoi ça? Ah non, c'est un truc que j'ai pas besoin pour l'instant. Des animaux, j'en ai pas encore vu.
Bon, ça va être bien lourd. Oh, ça va être dur de traverser l'eau avec ça. Faut que je vise... Ah ouais, c'est lourd, ça me prend le jeu. Je récupère un peu. Ouais, je peux pas monter avec le truc dans les mains par contre. Bon. Ah ouais. Je crois que c'est... Peut-être là. Non. Allez, j'ai réussi. Si on avait un deuxième, hein. Oui. Ah, il me refait une échelle. Ah non, je peux passer à gauche. Et hop, pose ça là. Comment ça va, ça? Je vais prendre les chantiers de plantes. Comme ça, je peux mettre sur le dos, c'est un petit truc. Ça va, y'a pas une monstre. Accroche-toi. C'était limite. J'ai encore un logo, je sais pas ce que c'est. De toute façon, l'objet il va pas bouger, je peux aller rendre ceux-là et après venir le chercher, je pense. Pourquoi il y a du bruit? Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Accès autorisé. Bienvenue. Juste. Sam Porter Bridges. Carte mémoire. Sam. Si jamais vous tombez sur des cartes mémoire en cours de route, pensez à les déposer à l'aide du terminal le plus proche. Qui sait quelles données rares et précieuses elles pourraient contenir. Votre contribution fera au moins un heureux, je vous le garantis. Allez. T'as une livraison. J'en ai perdu en premier. Ah, je peux pas la déposer ici. Bon. Livraison. Merci. La perte de la ville relais centrale nous a tous secoués. Personne n'avait l'air de savoir ce que ça impliquait pour l'organisation, ou pour les UCA, ou pour nous. Mais le Cytocine va détendre l'atmosphère, ça nous sera bien utile. On sera à nouveau d'attaque en un rien de temps. Faites voir.
C'est génial. Merci encore. Ouais, tout a l'air en ordre. Mais j'espère que notre station le sera bientôt. Ça, je comprends pas comment les hologrammes, ils peuvent regarder les objets. C'est pas le même endroit, ils peuvent pas toucher. Ils passent à travers les gens, mais les objets, ils peuvent... Ah, j'ai fait 2 km quand même. F. On a un niveau de porteur, j'avais même pas remarqué. Où sont les autres? Morts. Dans la néantisation. C'est pas vrai. Tous dans la même explosion? Et donc, ils vous ont envoyé tout seul? Enfin, ouais. Si c'était une simple livraison, soit. On voit passer des porteurs de temps en temps, mais... La deuxième équipe devait nous apporter le Cupidon pour nous connecter. Ça fait 3 ans qu'on attend de l'aide. Ah ouais. Merde, 3 ans! Et ils nous envoient un seul type de... Merde. 3 ans qu'ils attendent un truc qui est à 2 km. J'ai le Cupidon. Vraiment? Alors c'est vrai? Il marche enfin? Bon, dans ce cas, vous pourriez bien être la réponse à mes prières. Alors qu'est-ce que vous attendez? Branchez-nous à Stichu Réseau. Les méchants qui vont apparaître. Non. Ah, ça met de la map. C'est original. De stocker. Les voisins. Ah, ça c'est bien. Pouvoir déposer mes trucs. Ouais, par contre, Swiss, c'est une grande map. C'est pas aussi fun que Assassin's Creed. Ça marche pour de vrai. Comme Amélie l'avait promis, on peut enfin faire ce pour quoi on est là. Et vous allez vers l'ouest, pas vrai? Il y a beaucoup de gens qui vont être ravis de vous voir. Vous allez continuer jusqu'à la côte, c'est ça? Mais là, je récupère alors, mon petit collier, quand même. Vous allez pouvoir voir Amélie en personne. Oh, c'est énorme, ça, c'est vraiment énorme. Moi, je l'ai jamais rencontrée. Juste ses messages holographiques quand j'étais dans la première expédition. Enfin, quoi qu'il en soit, soyez très prudents sur la route. Il y a pas mal de sales types dehors. Plus que de gens bien, paraît-il. Enfin bon, vous le savez déjà. Merci, oh. Sam. En intégrant cette station au réseau Kiral, vous lui avez donné la possibilité d'échanger directement avec ceux qui se trouvent ici, à la capitale relais. D'accord. Et ensuite? À l'ouest de cette station se trouvent des structures installées par notre précédente expédition. Et de l'autre côté, votre destination suivante, la ville relais portuaire. Elle est située au bord d'un lac cratère, né de la première néantisation. Votre objectif est de connecter la capitale relais au relais portuaire. Mais pour y arriver, vous allez devoir vous servir de nos installations comme de stations supplémentaires. Elles seront essentielles pour établir une connexion stable. Ah oui, d'accord. Étant donné la distance à couvrir. On était en train d'envisager d'utiliser un centre de distribution et une centrale électrique. Quant à savoir par où commencer... Le centre de distrib d'abord. Il ne faut pas oublier qu'on a des marchandises à livrer. Consultez le terminal et récupérez-les. Ok. Au travail. Ouais. Une heure de jeu, j'ai fait une livraison. Alors, par contre, ça. Porter sur le dos. Je vais galérer pour pouvoir le déposer là. Votre travail porte ses fruits. On peut fabriquer de l'équipement. Grâce à l'accroissement de la capacité du réseau, ça peut être utile. Ok. Sauf que moi, je vais faire. Une livraison.
Parce que le machin, il est méga lourd là. Je rentre sur une plante. Ouais, je donne tout, hein. Dégâts dessus. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis ça à un autre joueur. Ah, de toute façon, quand t'as fini l'aventure, tu fais les livraisons des joueurs qu'on déposait là-dedans. Ouais, les niveaux c'est par rapport à des likes, genre l'XP c'est des likes. Sauf que t'es un peu un livreur qui sauve le monde, quoi. Donc des likes, c'est un peu bizarre. Fabriquer de l'équipement. Ah, c'est échelle et tout. Sam, utilisez ce CCP pour construire une boîte de stockage. Ok, mais j'en ai pas besoin. Oui, livreur Burek qui sauve le monde, ça serait drôle. Par contre, ça, il m'en faut un. Ça me coûte quoi en ressources? Ça me coûte 16, mais 16 quoi? Ah, 16 résines. J'en ai plein. Confirmé. Ok. Et je le mets... porte-outil. Confirmé. Toi, tu mets même pas le service rapide comme appréciation. Il me donne pas de trucs à livrer. Accepter des commandes. Commande pour Sam. Voilà, si c'est ça. Ah bah, il y a ça à faire. Bon. Du coup, il faut que je fasse fabriquer le machin. Une boîte de... Ça va sans dire. J'allais faire ça. Après, je reviens à la base et je vais arrêter de. Commande attribuée. Sam, si votre CCP est en état de marche. Je m'en fiche. Faut que j'enlève tous mes repères. Ça, c'est trop chiant par contre. Quand tu fais ta mission, ils te laissent les repères. C'est... Non. Non. Allez au lieu que je vous ai indiqué et construisez la boîte de stockage. Vous n'aurez aucun mal à le trouver si vous consultez votre carte et votre boussole de temps en temps. Fin de l'interdiction des armes. L'interdiction des armes ? Est-ce qu'il y a des armes ici ? Je pensais pas qu'on allait avoir des armes dans le jeu. Côté, j'ai envie de lui piquer.
Hein, je sais pas. J'en ai encore sur moi. C'est derrière lui. Hein. Eh gros, il y en a deux juste à côté, ça sert à rien. Ouais, un objet par terre. Il y a encore des objets partout là-bas, mais il pleut, c'est pas cool. Alors, c'est bon, je suis dans la zone, mon gars. Sam, je vois que vous êtes arrivé à l'emplacement indiqué. Ouais, dépêche-toi, il pleut. Une fois que vous serez prêt, activez votre CCP. Utilisez-le pour construire une boîte de stockage dans la zone des lignes. Ça paraît bien comme ça. Ah ouais, la technologie. Moi je passe. C'est un peu long à chaque fois de regarder ça. Beau travail, Sam. Cette boîte de stockage a fière allure. Y accéder, sélectionnez casier partagé pour partager des marchandises et de l'équipement avec d'autres porteurs. Déposez une échelle et une encre d'escalade. Je suis sûr qu'elles seront très utiles à quelqu'un avec ces jours. Il veut que je mette une corde dedans. Matériel, vous pouvez en laisser un peu. J'en ai qu'une. Ils seront sympas avec vous. Bon, de toute façon, je vais pouvoir en refabriquer. Oh, oh, oh. Ou pas. Je vais peut-être gagner plus en rapportant directement là-bas ces trucs-là. Bon, c'est pas grave. Casier partagé. Faire don d'armes et d'équipements. Les casiers partagés permettent. Alors, une échelle. Résine Sencorn ? Non. Bot, non. Balou, ma corde. Ah, manque d'escalade. Ah, j'en ai deux en fait. Moi, je me sais le qui est pas bien. Récupérer les marchands que vous placez. Ok. Il est vide. Ouais. Je remonte. Et... ça va être tout pour aujourd'hui. Pourquoi j'ai encore des colis sur moi, je comprends pas. Sur le orange là. Parce que sur mes jambes c'est des échelles. Ouais, il n'y a que l'orange, je sais pas ce que c'est.
Tu vois, lui il a 10 likes, c'est bien. Lui il en a pas, il sert à rien. Merci pour le coup de main. Je vais démonter, mais il est resté quand même. Ah, en fait, j'ai mis des likes dessus. Hop, hop, hop. C'est pas vraiment piqué. Bon, je vois c'est quoi le colis orange. Je prends la livraison. Et je quitte. Ah, c'est ça? Bah non. Oh, victoire de carte mémoire, elle est bizarre ça. Oh, voilà une belle pièce à ajouter à ma collection. Ah, c'est tout. Merci pour votre contribution. Tranquillo. Ah, j'ai encore un CCP, ça doit être ça la boîte orange. Ah non, là c'est pour fabriquer. Non, bah, je fabrique rien, je viens de rien. Alors. Tout sur le dos, ça passe. Bah oui, c'est que un petit truc. Wow, wow, wow. Pourquoi il y a 10 000 trucs d'un coup là? Bon, c'est un peu long quand même là. Je vois pas trop là si je peux descendre. Je pense que oui. Ah, c'est juste là? Facile de passer là, prendre l'échelle. Je sais pas si c'est une échelle pour traverser l'eau. Hop. Voilà. Et. Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai quitté. Je sais plus comment on quitte le jeu. Il faut sauvegarder avant. Purée, je sais plus comment on sauvegarde. C'est ici. Système. Sauvegarder. Oui. Et quitter la partie. Oui. Allez, je vais quitter le stream. Merci d'être passé. Bon,
beaucoup de cinématiques, hein. Genre 45 minutes de cinématique pour une demi-heure de jeu. Mais bon. Allez.